sinon il doit y avoir des récrits. 165 sur l'Eka. Un Eka qui m'a l'air d'être terre. Ouais. Ouais, on dirait bien. Sacred Vita, Lecra. Lecra, il a 10 fixes R. Bah, Lecra doit être tyrannique pour avoir autant de tacles, je pense. Ouais. Ok, ok. Peut-être un archétype dessus, ce serait assez étonnant. Est-ce que c'est dire qu'on a un Ossa de dégâts? Je te cache pas qu'avec toutes les récrits, je suis un peu paumé. Non, à mon avis, c'est un Ossa feu. Très bien, un Ossa feu. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un feu assez classique. D'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un Enifeu, du coup. Ouais, un Helio R et un Steamer. Steamer, j'ai un peu de mal à me prononcer sur le mode. Ça m'a l'air assez étrange. 75, est-ce que c'est pas les récrits qu'on pourrait avoir sur de la Reine des Voleurs? Ouais. Ouais, ou sur la panneau feu. Ouais, sur la panneau feutère. Il y a beaucoup d'esquives PM. Donne des dopous, je sais pas. Je sais pas. On va voir en tout cas. Ah, Stalock, mais... Il va être DPS plutôt. Et c'est bien un Ossafeu qui a placé son dragonnet mélanique du coup. Est-ce qu'il va jouer foreuse du coup? Ça pourrait être un steamer piraguette. Bon, il y a pas beaucoup de résistance au. Ah. Voilà. Ah. Est-ce que non. Non, il est pas vrai. Okay. Il va juste monter une foreuse, ok. Le chalutier qui est bien placé, qui va être pas mal les cas. Ouais. Ça va pas lui coûter grand chose, je pense. On va voir qui va être le focus choisi. Le Kra qui joue avant les cas, donc ça peut être, s'il disait, le combo, le fameux. Ouais, le Kra qui a une ligne de vue directe sur les Nirepsa, hein, donc je sais pas s'ils vont décider de focus l'Héliotrope ou l'Eni qui n'a pas de pre-tech. Mais partir sur le steamer. Okay. L'Eni qui joue juste après le Kra, là, il pourra bouger et se cacher dans le meilleur coin, on va dire. Alors que là, le steam est directement à portée de l'Eka assez facilement avec juste une Schengel. Hein, avec double Schengel. Il sera obligé de faire double, je crois. Ouais, il sera obligé de faire double Schengel plus un entrechat pour pouvoir mettre un petit double destin, possiblement. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, c'est bien un Kra tyrannique. Hein. On voit la tyrannique. Il a un peu de retrait aussi, j'imagine. Parce que le retrait est passé à moins 3 sur les 40 d'esquives du steam. C'est peut-être du hasard. Mais il y a peut-être une petite base de retrait à voir. Il y a toujours une base de retrait. Et puis de toute manière. Ça commence. Ah, il fait mal sur les K-flips, mais sur le Samodas on esquive bien, mais les K-flips moins 4 PA ça fait très très mal. Hein. Et le chalutier qui est très bien. Pourquoi il n'y a pas de pre-tech sur les Nirepsa, j'ai remarqué. Ouais. C'est intéressant parce que là, si les K fait une Schengel, il va être assez embêté derrière. Tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas une ligne de vue là si on... Ouais, de toute façon, on va pousser le chalutier, j'imagine, et aller taper ce steamer. Alors, il devait sans doute s'attendre à avoir une ligne de vue. D'ici, mais il ne l'a pas, il est obligé d'avancer pour mettre de l'érosion. Il peut mettre qu'un seul coup d'héros, embêtant, et l'odorat qui est casé. En vrai, l'odorat qui est bien joué parce que le silence a déjà été placé de la part de l'ennemi. Et l'Eka qui se fait directement isolé par l'Hélio, est-ce qu'il va dégager directement l'Osamodas derrière? Ah, ça serait possible. En soi, c'est ce qu'il y aurait presque de mieux à faire. On met cet Eka flip complètement à l'opposé de l'Osamodas qui pourra pas faire forcément de soutien dessus. C'est plutôt pas mal. Ouais, on va complètement outmap l'Osamodas. D'abord claquer des petites cravaches pour revenir, peut-être des gambades. Après en soi, ils peuvent aussi taper un peu les Nirepsa quand même. Il n'a pas de pre-tech, ça serait des dégâts qui taperaient directement. Il n'y a pas d'héros, mais bon, ça le forcerait à se soigner un petit peu. Très peu de résistance feu contre un Krat Tyrannique, un Ossa feu. Ça peut être dévastateur. Est-ce que ça va le libérer? Non, ok. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Diffuse? Le rappel, ça a reposé du coup le Mélanique et le Piqûre. Probablement en effet. Et ça va déloc du coup. Est-ce que ça met son ébène sur l'Eniripsa? Double Flamiche éventuellement ou double Corbeau, ça marche très bien aussi. Corbeau, c'est encore mieux. L'Eniripsa qui va prendre quand même plutôt cher, hein, parce que du coup on a un Steamer Foreuse, donc pas de soutien de la part du Steamer. Mm-hmm. L'Héliotrope qui a un soutien assez limité, somme toute, hein, même s'il va pouvoir, en étant placé ici, dégager l'Osamodas chaque tour et remettre l'Eka flip près du steam. L'Eka qui va prendre très cher, là, on va voir les dégâts qu'il va prendre au total, mais ouais. On a vu tout à l'heure la longue vue. Ouais, elle tapait presque à 500, et le steamer est même pas taclé, donc il est pas gêné du tout, il aura beaucoup de PA, j'imagine qu'il a un abyssal, non, il en a pas. Ouais, non, on a quand même... Ouais, on a pas d'abyssal. Alors, combien ça va mettre sur Steak à Flip? On va mettre de l'érosion déjà. Oh, bon. Ah ouais, quand même. Quand même, quand même. Hein. Voilà, la Vitamax de l'Eka qui descend très très vite. La ligne de... Ouais, la ligne O est très violente. La Foreuse qui tape très très fort. Elle va retaper derrière en plus la Piraguette. Ouais, l'Eka, 3600 HP max, 3500 à la fin de son tour.
On commence à tomber. Se prendre presque un full tourigny. Ouais, mais après, en soi, ils vont pas avoir tant de retard que ça, je pense, parce que le steamer est rodé. Il a encore la tyrannique. On pourrait éventuellement la replacer avec le cra. Et alors, du coup, le steamer qui va prendre quand même pas mal de dégâts. Il y a moyen qu'il parte sur l'Eniripsa. Je pense pas que le cra ait la PO pour taper le... le steam, donc ça va peut-être changer de focus. Et là, Lenny qui prend beaucoup de dégâts. Lenny, il peut tomber extrêmement vite. Beaucoup de dégâts et beaucoup de retrait qui a été placé sur la team de Zest. Il faut pas oublier que Leka va sortir d'Odora aussi. Aussi, ouais. Donc là, ce qui est vachement intéressant, si Lenny ne va pas debuff la Tira et l'érosion qui a été placée autour d'avant par Leka, Leka va détruire le steamer. Ah ouais, mais là ça va être très 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 violent. Hein. Ça va être 16. Ouais, 16 PA, ça va faire. Ouais, l'érosion qui est toujours présente, il a été érodé qu'une fois, il me semble. On pourrait replacer un face au pile. Ouais, c'est ça, il a que 13% pour l'instant. Là, je pense qu'il peut s'approcher et faire double destin et finir sur un contre-coup, possiblement. Ouais, ça pourrait être pas mal. Hein. Après, est-ce qu'on est obligé? Ouais. Ok. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus rentable. Regarde les dégâts et le contre-coup qui est obligatoire. Ouais, c'est le retrait un peu, en plus un peu, qui passe, c'est pas mal. C'est ouais. Toujours un peu. 1900 points de vie sur ce steamer. Donc il n'y a plus de mélanique piqûre. Donc ça, c'est l'avantage. Ça, c'est bien joué de la part de Chanel qui a clean ce dragonnet. On va avoir le tour de l'hélitrope. Donc Lilo qui joue portail flexible. Au passage. Donc c'est vraiment un hélitrope. Ça va distrib, ça va du coup un petit peu soigner, mais c'est en soins assez faible mine de rien. 3000 points de vie max sur ce steamer, au moins ça a mis l'ébène. Ouais, en soi là c'est assez even comme combat. L'Eniripsa, moi je pense quand même le focus Eniripsa dès le tour 1 aurait été une bonne idée, on aurait pu l'éroder directement, même s'il aurait pu se cacher. Les cas, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose derrière. Non, mais là regarde le steamer quand il va être dans le. Quand tu vois déjà, ouais. il se prend en dessous du dragon à 330, ça éclate un minimum de dégâts quand même. Ils vont full taper et ça va bloquer, ça va essayer d'empêcher le steamer de s'en aller. Ouais, c'est bien joué, ouais. Bien faire. Là, il va se faire tout simplement. Là, il se fait prendre en croix en fait. Hein, en ouais, c'est ça. Il y a potentiellement une Kawotte marée faisable vers le bas, mais ça fait beaucoup de PA à dépenser. Surtout, ils mettent plus de pression parce que les cas flip là est hors de vue. Après, donc, il pourrait écume aussi. Hein. Est-ce qu'il serait taclé par ce dragon albinos? Peut-être pas. Ok, on va mettre un blindage quand même. On est très très bas niveau HP. Ça va faire un tour full défensif. Le Kra n'a plus l'acuité, donc si le met le steamer réussit à se cacher correctement, il ne serait pas mis en danger par le Kra. On va peut-être passer par les portails pour se replacer vers son ennemi. Non, on va finir vers le bas de la map. Ouais, ils mettent quand même des dégâts, mais tu mets une tourelle devant lui. Ok, c'est bien joué. En plus, à ce placement là, il n'y a pas de possibilité pour le Kra de mettre une flèche de concentration. Non, ouais, on peut pas balise concentre. À moins de la mettre sur la bâtie et de tuer le dragon albinos, mais ce serait peut-être un peu embêtant, je ne sais pas. Après, on peut toujours harcelante, flèche para, ça fera quand même des dégâts pas dégueu, je pense, sur les 24% du steam. On peut représailles aussi l'héliotrope, peut-être. Ça pourrait être sympa. Non. C'est pas ça. Représailles. Ok, on reprend Lenny, ouais. Alors, c'est très bien joué. Et après, je me demande de toute manière si Lenny avait beaucoup de choses à faire. Il faut juste mettre un Solida, ce qui est déjà pas mal, ok. Mais. Pouvait passer par les portails, quoi, pour prendre la ligne de vue potentiellement. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Donc c'est bien joué. C'est un tour d'apport de Guns. Un tour sans dégâts, mais qui va suffire venir à bout très certainement du steamer. Oui, là c'est presque sûr que le steamer survit pas. Les cas qui va être un peu low HP quand même, hein, 2000 points de vie, avec combien de vita max? 2700. Ah, c'est pas dit qu'il tombe pas par la suite. Hein. On a vu que l'héliotrope tapait pas forcément très fort, mais bon. L'hélio a des dégâts. Ouais. Il y a quand même 40% R d'une part, et puis l'hélio tape pas extrêmement fort. Donc il est quand même en cadran feu.
Il reste combien de points de vie à ce steamer? 880 points de vie, il y a quand même quelques ébènes dessus. Il y a l'Osamodas qui va faire un tour. Est-ce que Uxie peut faire des miracles? Ouais, la chance des cas, je pense qu'elle est, elle est lancée au bon moment. On peut Exode, ouais. Placer un portail soigné un peu. Bah, ils vont tenter de taper. Ouais. Ils vont tenter un kill, je pense. Là. Ils partent de ce principe. C'est prêt de kill carrément, ok. Alors après, c'est pas trop mal parce que non seulement ça clean les invokes, mais ça tape le Kra à qui ne reste plus que 2200 points de vie. Les gars flippent en retour de chance au prochain tour. On a deux persos dans le mal, on va dire, côté Band of the Hawk. Ouais. Ouais, le sac, il va devoir mettre un petit coup sur le steamer. On a le dragonnet qui pourra taper un petit peu. Le dragonnet pourra taper. Ok, on replace son ébène. Je pense que ouais, le steamer est condamné. Le steamer est absolument condamné. Il n'y a pas de scintillant normalement. On sait jamais, hein, c'est sur un malentendu. Ouais. Non, je crois qu'il n'y en avait pas au début du match. Mais ouais, il faut quand même le clean. Bon, en soi, les dragons sont là pour ça. Par contre, ouais, c'est vrai qu'on a le Kra et les Kaflis qui sont très low HP. Après, les Nirivsa, on a vu qu'il a mis un coup de cac, il me semble, à 800 sur le dragonnet mélanique. Ah 900. Oui. Il a mis un coup de cac juste avant sur le Kra à 900. Ok. Mais je crois qu'il n'a pas crit. Je me souviens, c'est ça. Ouais, donc en soi, faire quand même un petit peu attention. Voilà, on a le dragonnet qui va safe un peu, remettre le Kra. Est-ce qu'il est pas un peu embêtant en fait? Ah non, peut-être pas les portails le Kra là. Ouais, potentiellement, ouais. il pourrait tout à fait switch sur n'importe lequel en soi. Hein. Il peut taper sur les deux. Bah pourquoi pas. Hein. Ah, ça va faire du retrait du coup. Ouais. Alors... Ouais, on va peut-être baliser percure. 3 PA. Ouais, tout à fait. Ouais, l'Enerimsa qui va être gêné en plus. Il va devoir claquer un mot de frère. Il me semble qu'il est pas taclé par le dragonnet, donc ça va. Il est pas taclé. Ah, le retrait, le crack qui se passe bien. Le retrait qui ouais. Est plutôt bien c'est aussi. Ah, là, de toute façon, on va devoir peut-être un petit peu soigner, remettre son Hélio. Ça va être difficile. Que... Ouais. Est-ce que les... Non, Léo, il s'est pas fait Tira. Non, Léo, il s'est pas fait Tira, donc ça va. On va voir qui va être le nouveau focus désormais. Ouais, donc ça fait ce que ça peut, ça ramène Neka. Pour éviter qu'il tape à travers les portails, puisque sinon ça aurait pu être assez monstrueux. Donc c'est plutôt bien joué. Il peut encore. Hein. Il peut encore. Mais est-ce que c'est ce qu'il ouais, c'est ce qu'il va faire? Ouais, on a kick les PA en plus de Lenny et de l'Hélio. Ça commence à être tendu, on a 6 PA sur Stéliotrope. Même si on est en retour de champ, je pense pas qu'il fasse le kill sur le K-Flip. Ça va être très très compliqué. On va pouvoir en plus partir. De l'autre côté. Des bons dégâts. Ouais, là, ça risque d'être un peu chaud. Hein. 6 PA. On va pas pouvoir reprendre le 2v2. C'est dommage, hein. C'est pas passé à grand chose en soi. C'est pas passé à grand chose, et c'est vrai que si jamais le kill sur les cars il va être fait, ça peut retourner le match. Même si je pense que malgré tout, là, il y a un gros manque de dégâts. Oui. Maintenant, du côté de Zest. Peu importe si les cas survit ou non. Il n'y a plus que 5 PA pour taper. Visiblement, c'est la raillerie qui met le plus de dégâts. On veut protéger son ennemi et faire une interruption. Ah, Flamish à front, ça aurait été pas dégueu pour replacer son ébène. Alors, oui, mais d'un autre côté, ça fait qu'il ne fermait pas les portails. Après, il pouvait aller dessus, ça pouvait bouger. Et le Kra a tué l'ennemi simplement derrière. Donc, je pense que l'interruption était obligatoire. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Mais là, ouais, du coup, les Gaflip est presque sorti d'affaire. On a le dragonnet qui va pouvoir soigner. J'imagine qu'il va le replacer. Non, il ne le replace pas du tout, son dragonnet rouge. Ok. Ah, ok, donc on laisse un peu quand même les Gaflip un peu low quand même. Pas se mentir. Faudrait peut-être gêner les lignes de vue sur ce TK parce que Lenny va pouvoir taper. Non, je pense que Lenny est tout simplement mort en fait. C'est très possible aussi avec 20% feu. En effet, le Kra qui va passer dessus. On a un Kra qui va mettre un DBN. Ouais. J'ai 20% feu et qui a 15 PA pour taper, qui a proc level 10. J'ai dû. Non, mais quoi, tu vois, la flèche de recul, t'as mal pour Channel. C'est incroyable, ouais. Ça tape tellement fort, là, ouais. C'est même. Bah oui, c'est ça, même à la cinglante. Tu fais quand même minimum 500 de dégâts, c'est quand même pas rien. Ah, c'est pas rien du tout, non. Et honnêtement, tu vois, j'y ai presque cru pour Zest.
quand j'ai vu les dégâts du steamer au départ sur les K-Flip, il a quand même mis une embuscade à 1100. Ouais. Quand même pas mal, hein, faut le dire. Surtout qu'il a pas un mode où il est ultra chips non plus, j'ai envie de dire. C'est pas non plus un mode où t'as 10 all, c'est quand même, il a quand même des résistances correctes. Quasiment ouais. Plus importantes que Lenny en soi, vu les éléments. C'est ça. Et pourtant, ouais. Il si rapidement. Bah, ils ont bien joué, hein, Band of Zoc. Ils ont pas paniqué, ils ont laissé leur EK vraiment proche du steamer, même s'ils pouvaient prendre des dégâts assez phénoménaux. Ils savaient que ça passait pas, mais que eux feraient le kill très certainement ensuite. C'était pas mal aussi de mettre de la pression sur l'Inrypsa, qui a dû faire un peu de soin sur lui-même. Peut-être négliger un petit peu la défense qu'on pourrait prodiguer sur son steamer. J'avoue que, est-ce que le prix tag pas mis sur Lenny au final coûte si cher que ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, je pense que le focus c'était le... C'était les K-Flip. C'était le steamer, pardon. Steamer. Ouais. Ça désespérément le kill, ça se balancer, GG Wellplay. Et du coup, c'est une première victoire dans ce premier match des KTF pour Band of the Hawk, les vainqueurs de Linglorium. Bien joué, un match extrêmement solide qu'on aura l'occasion de débriefer très bientôt, parce que je pense que Shax est de retour.